Je vais casser deux derniers à Petroville. Et ma jambe pourrait monter. Et samedi, je vais finir. Next la prochaine fois, je vais bouler ma chine. Nous voulons, de façon solennelle, parler avec les pays ici. Particulièrement, si la yon qui est victime dans la bataille. Si la yon qui est en prison jusqu'à présent, pour ne pas être libéré. Et nous continuons à faire pression pour nous jouer une libération de nous. SDP solidaire avec tout le monde qui est en prison. Tout ça qui est handicapé, qui attend justice. Par exemple, sous question massacre, nous disons SDP a prêté solidaire avec toutes les victimes. Sous question Petro-Caribéa, nous avons continué le travail pour permettre que dans le jour qui vient, il n'y pas. Il y a des progrès qui font de tout ça. Parce que nous prenons tout ça qui passe en d'un pays, c'est par rapport avec mobilisation sous question Petro-Caribéa. Et nous connaissons une force anti-changement en d'un pays à parler que c'est sa fête. Et nous prenons tout ça. Tout désolé qu'il y a un pays, nous-mêmes nous posé cette question. Est-ce que ce n'est pas elle qui change? Nous ne pouvons pas parler. Procès, revendication peuple la passée, qui a créé toute la situation. Et c'est dans ce sens qu'on a demandé société, peuple haïtien, pour engager dans la démarche pour mettre la sécurité dans le pays. Nous voulons tout le monde impliqué dans la question de sécurité.
si il y a un bagage que les peuples haïtiens ont besoin dans le moment, c'est la sécurité. Et dans ce sens, SDP demande à tout le monde, quel que soit le côté où il est, ça qui est dans le quartier populaire, ça qui est dans la ville, ça qui est dans le département, pour porter coller avec la police pour permettre que nous combattions cette insécurité. Et c'est dans le même sens, ça, tout, on a demandé pour tout le monde, si là qui a des âmes dans le monde, si là qui a fait des autres, pour prendre conscience que le pays a c'est pour nous. Et c'est ensemble pour nous retirer le pays dans sa vie. Nous-mêmes, au niveau SDP, à aucun moment de la durée, nous ne pouvons jamais encourager la question de vous armer en dans le pays. Parce que la bataille, c'est une bataille démocratique, une bataille pacifique. Et c'est ça qui fait toujours une notoriété. Nous toujours une moralité pour demander à tout le monde de faire la paix, de poser les armes. Parce que nous croyons que les frères haïtiens, ces haïtiens, ne pas capturer ce monde. Nous l'avons pour ça, suspendre. Ça qui passe la plaine dans son monde pour nous. Et nous-mêmes, au niveau SDP, nous condamnons. Et nous te portons support à les gens qui victimes. Et nous demandons à tout le monde de continuer à porter support à eux tous. Et nous souhaitons que tout le monde retourne à la caille. Par exemple, Matissan, Fontamara, Cité Soleil, Bel Air, La Plaine. On goûte pour nous retourner à la caille. Parce que ça a lien important. Parce que nous les temps, le peuple haïtien est capable de vivre en paix. Nous ne pouvons pas faire tout le temps ça à la boue. Nous sommes esclavage. Et puis aujourd'hui, nous n'avons pas de. Nous-mêmes, au niveau SDP, nous faisons le travail ensemble. Et c'est dans ce sens que nous disons que l'État, le gouvernement, pressé, faut qu'il mette en place le programme d'apaisement social. Le programme ça, qui ça l'a aidé nous faire. La aidé premièrement, nous voler au secours des gens qui font bio dans le quartier populaire. La aidé qui des programmes qui font dans le quartier populaire pour permettre que la paix retourne. Parce qu'en plus de fois, c'est misère, c'est grand goût, c'est chômage. Qui mettait insécurité. Nous croyons que pour l'État, il faut que l'État travaille sur lui et nous interpeller pour collaborer avec toute organisation, tout le monde responsable dans le quartier populaire pour permettre que bien bon apaisement. Et apaisement, ça doit aller tout. Joindre le programme que la police mettait en place pour permettre que le plus près population, une façon pour être capable établir relation population et police. Nous croyons ça important parce que définitivement il y a des signaux forts qui commencent à lancer et qui montrent que la police veut travailler pour les peuples haïtiens. Depuis la police veut travailler pour les peuples haïtiens, la police a pris le peuple haïtien dans le. Et c'est ça que fait aujourd'hui, le pays a presque divisé en deux camps. Un camp qui veut la paix et un camp qui veut la guerre. Nous-mêmes, on a un camp qui veut la paix. Et c'est ça qu'on dit, ça qui a passé aujourd'hui, PHTK a une responsabilité là-dedans. Et il voulait utiliser comme ZAM pour faire pression, pour permettre quelqu'un de payer en otage et préparer l'élection. Et ça n'est pas d'accord. Et c'est ça qu'on dit, tout autant pas de sécurité. Nous n'avons pas préparé retourner la caillou. Nous n'avons pas préparé retourner la caillou. Nous belle, nous petit soleil, pas retourner la caillou. Pour qu'on ait une élection dans le pays. Et c'est dans ce sens à nous-mêmes, la bataille sous question. Sécurité dans le pays et programme pour apaiser le cadre de situation peuple à grand goût, chômage. Jodi à dollar tête nègre. Et nous connaissons depuis dollar monté, ça veut dire, c'est la richesse et l'inflation. Et nous dit gouvernement déjà, les gens qui n'ont pas RH sont pas capables. Ils ne sont pas capables depuis son Jovenel. C'est gaspiller quoi. Ils ne sont pas jamais capables d'aider à résoudre le problème d'inflation. Problème déficit, tout ça qui gagne dans le pays. Pas de discipline budgétaire, pas de discipline de dépense au niveau finance publique. Vous croyez que le gouvernement a commencé à faire effort, mais il y a des efforts en plus qu'il demande. Vous demandez changer les autorités monétaires, ils ne sont pas capables. Parce que sous question de transfert, nous avons des problèmes avec eux. Sous question de dollars, nous avons des problèmes avec eux. Et pas jamais résoudre ça. Donc changement ça, vous faites.